Non, c'est folie. Aucune folie, puisque nous nous sommes donnés l'un à l'autre depuis toujours. Ce sujet m'a plu, m'a touché. Le personnage de Marine Montpensier m'a énormément touché. J'ai revu très peu de films, surtout pas de films de l'époque. J'ai même pas essayé de revoir La Reine Margot, qui est un film pourtant que j'admire beaucoup. J'ai pas revu. J'ai vu un ou deux westerns. Mais non, ça a l'air de rien, mais c'est comment est-ce qu'on filme une conversation à cheval? Et je voulais montrer, par exemple, le début de La Dernière Caravane de Delmer Daves, où il n'y a pas un seul plan qui est à hauteur d'yeu. Tous les plans sont décalés, en contre-plongée, avec sans arrêt des amorces, des branches d'arbres, des rochers, les gens passent. Quand ils courent, ils sont cachés par des obstacles. Tous les cadres sont dynamiques, du coup. Et moi, c'est ce que je cherche chaque fois quand je fais un film comme ça. L'idée du péché, est-ce déjà péché? L'idée sans l'envie, non. Et l'idée avec l'envie? Si tu m'as trompé sur ton cœur et le sien, face à face, sans merci. Ce qui m'a séduit à la première lecture, c'est ces dialogues qui sont effectivement magnifiques, extrêmement bien pensés, d'une justesse. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que je trouvais qu'ils avaient réussi avec Jean Cosmos à faire des dialogues qui soient crédibles par rapport à l'époque et qui en même temps soient d'une modernité et qui soient acceptables pour un public d'aujourd'hui. Et même pour les acteurs, je trouve que voilà, la façon dont c'était écrit, les tournures grammaticales, tout ça, à aucun moment j'ai ressenti une difficulté sur une phrase ou buté sur un mot. Ça, c'était vraiment facile à mettre en bouche et c'était un vrai plaisir de pouvoir s'appuyer sur ce texte. Et une fois qu'on trouve le bon souffle et la bonne musique et le bon rythme et les bonnes respirations, ça devient limpide, quoi. Et on sent que ça nous élève. C'est agréable de sentir qu'on prend de l'ampleur en jouant quand on a un texte comme ça, quoi. Que chaque mot sonne bien et résonne et qu'on prend plaisir à trouver une musique. Il est très musical, Bertrand. C'est quelqu'un, parfois, il écoute, il regarde pas le combo, il n'est attentif qu'au son. Il ferme les yeux et il écoute. Et si on est dans la bonne musique et que la justesse est là, il est réjoui. Et si par contre la musique est fausse, il tape du pied. Et là, on sait qu'il faut très très vite changer notre fusil d'épaule et trouver la bonne musique très rapidement. M'aimerez-vous, madame? Quand vous me le commanderez. De tout le château, je suis le plus ignorant de ses goûts, de ses humeurs. Monsieur Donjou désire vous parler. Votre beauté, notre vie, madame. On avait des conditions météorologiques qui étaient assez... On a dégusté, mais en même temps, c'était excitant. Mais c'est vrai qu'il faisait... Je crois que j'ai jamais eu si froid de ma vie. On était transpercés tellement il pleuvait, on était dans la boue. Et on avait tellement peu de temps pour le faire. Tellement peu de temps. Mais il y avait... C'est comme... Je me suis retrouvé exactement dans la configuration de la bataille contre les Russes dans Conan. Il faut l'arracher. Il faut l'avoir. On l'aura. Et on l'a eu. On l'a eu et c'était... là, tout le monde s'y mettait, depuis Figlars, qui est l'homme qui a réglé les combats, jusqu'à Mario Loracci, qui faisait tous les trucs avec les chevaux. Moi, j'étais hyper content. Il y a un moment, un très long moment avec Gaspard, où je crois qu'il démolit je ne sais pas combien de personnes. Il y a des chevaux qui passent, il y a un cavalier qui descend devant lui, qui se met en protection. Il y a à peu près 10 actions, parce que tout est tourné dans le même plan. Il n'y a pas de montage. Et quand on a dit, celle-là, elle a l'air d'être bonne, comme Chris m'a dit, tout a l'air d'être bon, ça, c'était formidable, ça. Un jour, vous paierez de votre vie, c'est de soutrage. Délivrez-vous. Oubliez, monsieur de Guise. Merci. Je crains pour vous, madame. Ne vous trompez pas d'étoiles.